Bonjour, je m'appelle Philippe Fonta, je suis actuellement consultant en développement durable dans un cabinet de conseil que je viens de créer il y a 6 mois qui s'appelle Scrum Consult. Alors en 2018, j'ai décidé de changer de carrière un petit peu et après 20 ans de travail salarié dans des entreprises, des organisations en matière de développement durable, j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil. Pour créer ce cabinet de conseil, je voulais pouvoir offrir des prestations et avoir la connaissance de certains outils que je n'avais pas pu acquérir sur le tas, de par ma formation et de par mon expérience professionnelle. Donc j'ai décidé d'avoir une formation additionnelle et j'ai choisi le DAS à la Haute École de Gestion à Genève. Donc cette formation du DAS Management Durable, d'une part était une formation continue, donc ça m'a permis de la démarrer alors que j'étais toujours en poste dans mon ancien emploi. Cette formation est de qualité, elle est modulaire, donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, il y a 11 modules. Donc ça permet effectivement, au travers de ces 11 modules, d'avoir l'ensemble de la perspective du développement durable. La formation du DAS en management durable est très utile sous différents angles. La première perspective, je dirais, c'est le fait d'être au niveau en matière des outils existants. L'ensemble des différents modules que nous avons au niveau de cette formation permet de prendre connaissance, de pratiquer et d'avoir la possibilité par la suite d'utiliser des outils pour mesurer et mettre en place des politiques, que ce soit sur l'énergie, sur l'eau, sur les aspects sociaux et sociétaux que l'on aborde au travers des différents modules du DAS. Le deuxième avantage, c'est aussi que nous sommes un groupe d'une vingtaine d'étudiants, on va dire, qui sont tous en formation continue, certains en reconversion, d'autres en transition, mais qui viennent de secteurs complètement divers et variés. Donc ça permet d'échanger et de faire une sorte de zoom out par rapport à son propre, à sa propre expérience et de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'économie ou des associations. Et de vraiment d'avoir une perspective à 360 degrés des problématiques de développement durable dans tous les secteurs. Donc ça m'a vraiment complété mes connaissances et ça a permis aussi de me rassurer sur le fait que je connaisse l'ensemble des outils disponibles aujourd'hui pour me permettre justement d'offrir ces différentes prestations à des futurs clients au travers de mon cabinet. Si je devais résumer la formation DAS en 3 mots, c'est un exercice qui n'est pas facile, je dirais peut-être que le premier, je choisirais le savoir, la connaissance que nous fournit ce module de formation. Ensuite, ce serait la collaboration, le travail en commun, qui est indispensable. Et ensuite, ce serait peut-être l'exhaustivité de tout ce qu'on voit au travers des 11 modules de cette formation.